j'ai l'immense plaisir d'interviewer Michel Brochu. Bonjour Michel. Bonjour Sophie. Michel est dirigeant de l'atelier de Isaac, qui est une menuiserie d'une vingtaine de personnes. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la gestion des priorités. Enfin, être présent, c'est quand même le plus important. C'est l'essentiel, en fait. Quand on est quelque part, être présent, ça veut dire que je vis complètement le moment, en tous les cas, avec là où je suis. Avec les personnes, mais bon, c'est pas forcément qu'avec les personnes. Je peux être présent aussi en plein milieu de la nature, avec tout l'environnement qu'il y a autour. Et en tous les cas, enfin, pour moi, c'est une richesse, et c'est ce qui fait aussi que les échanges sont plus fructueux, en tous les cas, ce que je pense. Et on est dans un échange permanent et on est dans un échange d'évolution. En fait. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je vis dans mes relations assez de réunions où les gens sont toujours avec leur portable je trouve ça très agaçant. Puisque du coup, on ne peut pas être présent à répondre à ses mails ou à ses textos et en même temps écouter ce qui se dit. Donc je trouve que c'est là pour le coup, c'est une perte de temps qui est importante. Par rapport à si on est dans un groupe de personnes et qu'il y en a un quart qui est en train de piadoter sur son portable ou son ordinateur, ben, je trouve que c'est un manque de respect vis-à-vis de ceux qui sont là et qui s'impliquent. Et je pense que, moi en tous les cas, je trouve que je tire beaucoup plus de profit quand je suis présent et j'amène beaucoup plus aux autres aussi. C'est-à-dire que je peux donner beaucoup plus aux autres et en même temps, je peux aussi recevoir des autres parce que parfois c'est des toutes petites choses. Mais si je ne suis pas là au moment où c'est dit ou où c'est vécu, je le capte pas. Quoi. C'est aussi des énergies en fait, hein. Donc c'est pour ça aussi que la présence, on capte la chose dans l'instant, c'est être présent avec l'énergie qui est là au moment présent. Et si j'arrive 5 minutes après, je peux écouter la chose, elle n'a plus la même valeur, elle n'a plus le même sens. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je n'ai pas capté en fait l'essentiel qui était surtout l'énergie qui était au moment présent. Quoi. Et voilà, donc moi c'est ma perception et donc c'est ce que j'essaye de pratiquer tous les jours pour me rendre utile aussi là où je me suis engagé. Si les gens veulent en savoir un peu plus sur ton entreprise, donc Atelier de l'Isaac, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors j'ai un site internet, donc Atelier Isaac. Donc il sera affiché sur le côté, voilà. pour vous puissiez bien retrouver l'adresse. Il y a aussi une page Facebook. Super. Donc on peut rentrer en communication avec vous, voir les réalisations. Voir les réalisations sur le site aussi. Écoutez, je vous redonne toutes les infos. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye.